Tant que nous ne voyons pas d'interruption en termes de plus haut et de plus bas à des niveaux plus élevés aux États-Unis, la tendance haussière devrait se poursuivre. Bruno, bonjour et bienvenue dans notre studio à Genève. Nous avons récemment enregistré une forte baisse du marché américain. Que pouvez-vous dire à ce sujet ? Bonjour Céleste. En regardant le S&P 500, ce que nous pouvons remarquer dans le contexte de la récente baisse, c'est une accentuation de la volatilité par rapport aux cinq dernières semaines. Elle s'est intensifiée d'1%. Donc la volatilité est légèrement en hausse. Cependant, d'un point de vue technique, nous voyons que le sommet se situait à 2400 début mars. Puis il est descendu à 2350 pour grimper vers 2390 par la suite. Nous ne sommes pas parvenus à atteindre un nouveau plus haut. En effet, cela pourrait potentiellement signifier qu'il s'agit de la deuxième étape d'une correction qui pourrait nous amener vers la barre de 2330. Alors, est-ce le début d'une correction majeure à plus long terme? Eh bien, regardez ce graphique hebdomadaire. Depuis maintenant 18 mois, nous observons une tendance à la hausse. La ligne de tendance, qui n'a eu de cesse de progresser, a cassé le niveau de 2380. Pour l'instant, elle reste au-dessus du niveau de consolidation autour de la barre de 2250. Ici, nous voyons qu'il y a quelques écarts qui restent toujours intacts, ce qui signifie essentiellement qu'il s'agit d'une correction, même si la dynamique s'est décélérée et il se peut que nous observions un mouvement latéral pendant un certain temps. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette correction ? Je vous propose d'analyser la situation sur le marché intérieur des États-Unis. En l'occurrence, il faut jeter un coup d'œil à la performance du secteur de la consommation discrétionnaire XLY par rapport au secteur des biens de consommation XLP. Fondamentalement, il s'agit de la performance des secteurs cycliques contre celle des secteurs défensifs. Nous pouvons remarquer que depuis janvier, ce ratio évolue dans une fourchette latérale. Nous constatons que son mouvement est orienté à la baisse. Cela signifie que les secteurs défensifs surperforment les secteurs cycliques. C'est le développement le plus important en ce moment. Par exemple, si nous regardons les secteurs discrétionnaires, nous verrons deux choses. Premièrement, ces secteurs suivent une tendance à la hausse ces dernières semaines. Le niveau de soutien a été cassé. Cela va de même pour la ligne de tendance. Donc ici, nous avons observé un mouvement important à partir de la bande supérieure de Bollinger, représentée par une ligne rouge vers le fond. La dynamique est baissière. En revanche, si nous analysons la situation du secteur des biens de consommation, qui se situe dans la partie inférieure de notre ratio, nous verrons que la force relative est en nette progression, ce qui signifie que ce secteur surperforme le S&P 500. Donc, le mouvement récent peut être jugé insignifiant. Nous pouvons en déduire que nous assistons à une consolidation latérale. En toute logique, il s'agit d'une rotation interne. Cela signifie-t-il que les secteurs cycliques devraient suivre une correction ? Cela signifie que les secteurs cycliques, ainsi que d'autres secteurs, devraient traverser une phase de correction. Par exemple, l'un des secteurs phares à cet égard a été celui de la technologie. La force relative de ce secteur a été en hausse, tout en stimulant la progression du marché dans son ensemble. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous avons enregistré un retournement spectaculaire sur le graphique journalier il y a un peu plus d'une semaine. Nous avons enregistré une baisse en cassant le niveau de support. Cependant, nous restons toujours au-dessus de la zone précédente de soutien et de consolidation. Ainsi, nous voyons que la dynamique est devenue baissière. Cela laisse supposer que nous verrons une accentuation du mouvement latéral. Le retracement atteindra probablement 38% du mouvement enregistré au cours de la période de février jusqu'à la mi-mars. Nous sommes susceptibles d'observer davantage de mouvements latéraux plutôt qu'une forte correction à la baisse. Avons-nous observé une correction dans d'autres secteurs il y a une semaine ? Il y a une semaine, le cours de l'indice S&P a commencé à reculer après un relèvement des taux d'intérêt par la Fed. Le rendement obligataire à 10 ans est passé de 2,60 à 2,40. Nous avons franchi un niveau important. La barre de 2,40 correspondait au niveau de support en 2015 et 2016. Maintenant que nous avons enregistré un rebond vers le sommet de la fourchette, la baisse récente des taux n'est probablement qu'un repli temporaire. Ce déclin du taux de rendement exerce-t-il un impact favorable sur les marchés ? Théoriquement, oui, mais dans notre situation, ce n'est pas le cas. Le secteur financier en est une preuve éloquente. Nous pouvons constater que le récent mouvement baissier a été également accompagné du déclin du secteur financier.
Par conséquent, nous avons observé un mouvement prononcé qui nous a ramenés vers l'ancien niveau de résistance à 1,23. Il est fort probable que nous verrons un mouvement latéral qui sera suivi d'un rebond. En toute logique, la plus grande partie de ce mouvement des taux a été prévue par le marché. Ce mouvement du marché américain a-t-il affecté le marché japonais ? C'est une bonne question. Regardons le ratio de la force relative du Nikkei, représenté par une ligne en pointillé, par rapport au S&P 500. Ce ratio a récemment reculé, juste après une certaine hausse. Maintenant, nous observons une légère progression. Nous avons remarqué que l'indice Nikkei se maintient dans cette fourchette depuis un certain temps. Il est probable que cela est dû à la hausse récente du yen japonais, représenté par une ligne orange sur ce graphique. Cela se reflète de manière négative sur les exportations. Bien que le cours se soit éloigné de ce niveau, nous voyons que cette flèche sur le graphique pointe vers le bas. Nous sommes déjà près du nuage au niveau de 19 000. Ce niveau peut être considéré comme étant une zone de soutien. Son influence se fait ressentir sur les cours des indices, ce qui a été confirmé par l'évolution de l'indice américain et celle du Nikkei. Cependant, le Nikkei a été affecté dans une moindre mesure. D'accord, Bruno. Est-ce également le cas en Europe ? Oui, exactement. C'est étonnant, le comportement du marché européen est exactement le même. Il est assez rare de voir une correction aux États-Unis parallèlement à une augmentation de la force relative du marché européen. En règle générale, la correction en Europe est plus forte que celle qui est observée aux États-Unis. Cela témoigne du fait que le développement actuel est de nature locale. Il ne s'agit pas d'une tendance mondiale. Ce que nous voyons ici n'est qu'une petite correction. La tendance haussière se poursuit toujours. Alors, si je comprends bien, vous nous dites que les marchés émergents ne sont pas affectés par cette correction ? Eh bien, normalement, non, surtout si nous parlons de la Chine et de certains autres marchés. Dans le cas de la Chine, les fonds cotés en bourse viennent tout juste d'enregistrer des plus hauts à un niveau plus élevé. Le marché est en pleine tendance haussière. Pour l'instant, la correction n'est pas en mesure de contrebalancer cette progression qui s'est traduite par des plus hauts et des plus bas à des niveaux plus élevés. La force relative de ce marché est nettement en hausse. Si nous avons besoin de faire le choix entre différents marchés émergents, je recommande de regarder la Chine qui se porte bien. Cela va de même pour l'Inde. Sa force relative progresse par rapport au S&P 500. Ces deux marchés surperforment les autres. En revanche, la performance du Brésil est un peu plus faible. Sa force relative est plate et commence à baisser. L'impact exercé sur le Brésil est donc plus fort que celui observé sur d'autres marchés. Il en découle que ce n'est que le marché américain qui est fortement affecté. Par conséquent, il s'agit d'un développement sur le marché interne des États-Unis. Tant que nous ne voyons pas d'interruption en termes de plus haut et de plus bas à des niveaux plus élevés aux États-Unis, la tendance haussière devrait se poursuivre. D'accord, Bruno. Comme toujours, cela a été un plaisir de vous recevoir dans notre studio à Genève. Merci de cet aperçu du marché. Je vous en prie. Cela conclut notre séance d'analyse technique avec Bruno Estier. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur le site de Lucascopie TV.